Oubliez la notion de derby, oubliez le fait que c'est un match à l'extérieur, le TFC n'a plus de joker avant ce match à Châteauroux. Il reste 8 journées de championnat, 8 matchs coup près à jouer. Il faut pas calculer, on est là, si je suis défenseur, je pense à gagner mes duels et à être efficace, je pense à bien relancer, à pas mettre mon équipe en danger, si je suis milieu de terrain chacun, on est en fin de saison, je veux dire, on n'a pas à parler de tactique. Avec le match nul 2-2 lundi contre l'AC Ajaccio, le TFC n'a certes pas fait une bonne opération, mais n'a pas été distancé des 3 premières places. 3 points séparent aujourd'hui les Bleus du podium qui doivent se préparer à vivre des matchs très physiques, conséquence d'une fin de saison où les écarts sont ténus. Quelle leçon qu'il faut être d'abord efficace et réaliste, puisque bon, si on avait réussi à mener dans ce match, je pense que ça aurait pu tourner autrement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut y croire jusqu'au bout. Parce que même, en prenant un but tardivement, on a réussi à égaliser et à 10. Donc à la fois, il y a du négatif et du positif. Mais ça, c'est le football en général. De son côté, la Berrichonne est en bonne voie pour se maintenir dans de bonnes conditions. Avec 37 points, les Castelroussins comptent 6 points d'avance sur les premiers relégables. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que c'est une équipe qui a été un peu inconstante. À un moment donné, ils jouaient aussi pour les premières places. Et puis, ils ont eu après un petit peu plus de difficultés. Donc, leur classement s'en est ressenti. Mais globalement, ça reste une équipe qui est toujours difficile à jouer. Ça l'a été pour tout le monde, pour toutes les équipes. Ça sera aussi certainement pour nous. En plus, il leur faut, oui, encore quelques points pour pouvoir mathématiquement assurer leur maintien. Le TFC devra en tout cas enrayer cette série de 3 défaites à l'extérieur. Sur les 8 derniers matchs, les Bleus vont jouer 5 fois loin des terres tourangelles, là où ils n'ont pas gagné depuis 6 mois. La meilleure des raisons pour ne plus considérer quelques rencontres comme un match à l'extérieur.